السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، كان من المقرر الحديث عن حلاوة الإيمان. C'était prévu de parler aujourd'hui de la douceur de la foi. لكن
استفزني سؤال من بعض الإخوة ما كان ينبغي أن نصل إلى هذا المستوى من الجهل بالدين. Mais entre-temps, j'étais interpellé par une question qui m'a un petit peu bouleversé d'une façon ou d'une autre, d'un frère qui se pose la question, et cette question, normalement, il ne doit pas être posée par rapport à quelqu'un qui est adulte, majeur et responsable. La question c'est « هل يجب أو تجب الزكاة في أجرة العامل ?» La question tout simplement, est-ce que le salarié qui reçoit un salaire ou bien une personne qui a un métier libre, il doit donner zakat de ses revenus, ce qu'elle reçoit par mois, comme revenu, comme salaire. C'est vrai qu'une question que peut trouver que c'est normal, mais en vérité, ce n'est pas normal, parce que la question ne doit pas se poser. Parce que la personne, étant donné arrivée à ce niveau-là de recevoir un revenu mensuel, et il ignore, et qu'il est dans l'obligation de donner zakat de ce qu'elle reçoit comme salaire. Et le pire, qu'elle ignore comment donner zakat. C'est pour ça, j'aimerais que, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de répondre à une seule personne, je réponds à peut-être d'autres qui posent la même question. Je vais essayer de traiter le sujet en deux dimensions pour qu'on puisse être bref, parce que un prêche d'une demi-heure, on ne peut jamais répondre à une telle question. Parce que certainement, ce que vous avez entendu, ce que vous avez entendu, Inch'Allah, ça va engendrer maintes questions sur le sujet. Et peut-être on fera là une intervention complète sur cela, si Dieu subhanahu wa ta'ala le veut. Bien. Deux dimensions qui sont très importantes vis-à-vis du bien en général, et en particulier ce qu'on reçoit comme salaire. المال أيها الحب الأكارم نحن مستخلفين فيه. Le côté spirituel, dogmatique. Quelle est notre relation avec ces biens? هذا المال الذي نتداوله. Ces biens qu'on gagne à travers le commerce, à travers l'agriculture, à travers les salaires, à travers. Quelle est notre relation spirituelle et dogmatique avec ce bien? Tout simplement. المؤمن ينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله استخلفه. Le croyant doit savoir, il doit avoir cette conscience que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a octroyé ses biens. Et il lui a octroyé ses biens, il lui a donné cette alliotonance, il lui a fait confiance de lui donner ce rizq pour l'éprouver. On est éprouvé de nos biens. نحن مبتلون بأموالنا. Allah subhanahu wa ta'ala قل في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. Voyez Allah et son messager, et dépensez et donnez le droit de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala vous a donné à lieutenance. Ça veut dire qu'on est en vérité des suppliants de Dieu subhanahu wa ta'ala dans ses biens, et on dit c'est mes biens. C'est mon propre bien. Non, ce n'est pas tes biens. C'est les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que dans la sourate Al-Imran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوَقُّونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مَيْرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Que ceux qui ne dépensent pas et se comportent avarement avec ce que Dieu subhanahu wa ta'ala leur a octroyé, ne doivent pas considérer ça comme un bien. C'est plutôt un mal, parce que le jour dernier, ils seront châtiés avec tout ce qu'ils ont trésoré. ذلك يحب الأكارم الأمر هنا مهم جدا. والزكاة ذكرت في القرآن الكريم معرفة 30 مرة. 30 fois Allah a utilisé le terme az-zakat avec la définition az-zakat. 27 fois قرنت بالصلاة.
Donc 27, 30 fois Allah a cité zakat dans le Coran. Donc 27 fois avec la prière. Wa aqimu salata wa atu zakat. Alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakat. 27 mois, ça veut dire il est lié à salat. Tu fais la prière, tu sais comment faire la prière, tu dois acquitter zakat, tu dois savoir comment acquitter zakat. C'est ça le sens. C'est deux piliers qui ne se séparent jamais. ثم إن الزكاة يحب الأكارم معناها نعرف الصلاة معناها صلة وعلاقة بالله سبحانه وتعالى صلاة الصلة ستين ليزوا بك الله الزكاة الزكاة عندها أربع معاني هي طهارة ونماء وصلاح وتطهير من الذنوب الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Le terme de zakat, ça signifie la purification, ça signifie salah, la réforme, c'est-à-dire réformer toi-même et tes biens, ça signifie la croissance et la purification interne et externe. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager, prélève de leurs biens le droit de zakat pour les purifier et les décharger de leurs péchés. Pour purifier leurs biens et pour purifier leurs personnes. Zakat, ça sert à ça. Et d'aller qu'à Ihbab al-Karam, le pourcentage du zakat, en vérité, logiquement, c'est rien. 2,5% sur ta fortune, c'est rien du tout. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, donnez ne serait-ce que ce 2,5%. Et surtout dans un seuil, c'est ce qu'on va voir. Et d'aller qu'à Ihbab al-Karam, le Nabi sallam nous donne cette confirmation. النبي نجارنتي إن شوز أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة ما نقص مال c'est une confirmation prophétique ça veut dire que jamais le monde diminue les biens non on sait que c'est diminué sur 1000 euros tu dois donner 25 euros 25 euros il te reste 975 Mais non, le prophète a dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a jeûne de mes genoux, dit là. Il y a quelque chose qui est dans ce quoi? C'est le baraka. Quand Allah met ton baraka dans tes biens, grâce à cette aumône, tu peux en profiter de tes biens. Quand Allah élève le baraka dans tes biens, oh Allah, si tu es milliardaire, tu ne vas pas en profiter de ta richesse. Parce qu'il n'y a pas le baraka. Et c'est zakat qui fait en sorte que ces biens se développent, ces biens, Allah te facilite comment le. Avoir la croissance et aussi comment les dépenser dans le sens. Et d'ailleurs, Ahbab al-Karam, en bref, je finis cette dimension par une chose. An-nasu fil mali arba'a. Les gens, en se comportant avec les biens, il y a quatre catégories de personnes. Une seule catégorie qui a acquis le succès. Les trois, wal'iyadu billah, c'est vers la perte. Alladhi kasaba ma lahu min halal wa anfaqahu fi halal. C'est le seul qui a réussi. Il s'y bat ainsi que de l'heure. Celui qui a gagné ses biens, et les salariés, et les commerçants, et les je ne sais pas quoi, l'essentiel, il a fait un effort, il a gagné ses biens, mais un effort de halal, en respectant le règlement de notre religion. Et il l'a dépensé dans le halal, dans la satisfaction. Ça veut dire qu'il a donné ses droits, il a dépensé dans la charge de sa famille, il n'a pas gaspillé, et ainsi de suite. Le deuxième, الذي كسبه في حلال وأنفقه في حرام. Celui qui l'a gagné avec le halal, mais l'a dépensé dans le haram. Il n'a pas donné ce droit comme zakat, il l'a dépensé dans le haram. Tout sort de le haram, à vous de faire le raisonnement. Le troisième, الذي كسبه من حرام وأنفقه في حلال. Il l'a gagné, mais en trichant. En grattant, en volant, en faisant l'essentiel, il a gagné par des chemins qui sont haram. Et, soi-disant, il donne zakat. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. C'est pas valable. Tu as volé l'argent et tu veux donner l'aumône. Ça passe pas. Tu as triché dans ton travail, tu as gagné. Hein? Et tu veux. Donne les zakat, ça passe pas.
Le quatrième, الذي كسبه من حرام وأنفقه في حرام. Le pire. Celui qui l'a gagné dans le haram, il l'a dépensé dans le haram. Alors chacun de nous doit raisonner. Quelle est ma situation? Après ça vient, comment donner zakat? Maintenant on a dit que l'ulama ou le Coran al-Karim dit que كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وتوفرت فيه شروط الزكاة فعليه الزكاة. Tout est bien. Tout est bien. Quand tu as le seuil. Et après, un an. Comment dirais-je, de travail, de trésorerie. Et on doit donner zakat. Le seul cas où il n'y a pas al-hawl, ça c'est autre chose, c'est l'agriculture. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. L'agriculture, quand elle a récolté les fruits de son travail, il doit donner les zakat le moment de la récolte. يَوْمَ حَصَادِهِ. Mais le commerçant, il doit attendre l'anniversaire du début de son travail. Le salarié, il attend. Maintenant, je veux donner bien votre attention parce que la question qui se pose et la question majoritaire, c'est le salaire ou les biens gagnés à travers, comment dirais-je, les métiers libres. Avocat, médecin, entrepreneur, je ne sais pas. L'essentiel, qu'il n'a pas un salaire, il a un revenu. Je vous donne une situation simple, sans rentrer dans la divergence des savants, c'est mieux, c'est pas mieux. Une solution à donner zakat à vie, tranquillement, sans chercher à rentrer dans la divergence. Parce que la situation, ça s'évolue au fur et à mesure. Et après, on va donner tout simplement, je suis un salarié, je suis un entrepreneur, je suis un médecin, je suis un avocat, j'ai une société, comment je dois donner zakat de mes biens? C'est la réponse de tout à l'heure dans le deuxième khutbah. Après le masalatum fi safar wa fi al-ghina wa farah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alors tout simple, mahbab al-karim. Un salarié, un commerçant, une personne qui reçoit un revenu. En vérité, toutes ces catégories-là, c'est comme du commerce. Seulement le commerçant, il vend et il achète des éléments, n'importe l'essentiel qu'il soit halal, et le salarié, il vend son savoir, il vend son temps, il vend son énergie, et le médecin, il vend son savoir aussi, et l'avocat, il vend son savoir aussi. En vérité, c'est un commerce d'une façon ou d'une autre. Il y a un revenu, tout simplement. Maintenant, la question qui se pose, comment je dois donner zakat de ce revenu? Tout simplement, Mahbab al-Karam. Akhraj al-Imam Malik fi al-Muwatta. أن أول من أخذ الزكاة في الأعطيات معاوية بن أبي سفيان وعلى رأيه عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة. Le premier qui a prélevé زكاة du salaire des salariés, déjà de sa comment dirais-je ses occupations à lui, c'est معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان, quand le salaire de son employé atteint le seuil, il prélève d'abord le 2,5 avant de lui donner le salaire. C'est pour ça que certains savants disent, si le salaire atteint le seuil, on donne zakat directement dès qu'on l'a reçu. Mais cette opération, ce n'est pas valable pour tout le monde et c'est un petit peu complexe. C'est pour ça que la majorité des savants tranchent pour la deuxième solution. Parce que donner chaque mois 2,5, vous pouvez me donner, oui, mais il n'y a pas encore le haoul. Je ne l'ai pas encore gardé, le haoul. Faites attention. Le haoul, comme je dis, fait zakat, il est valable sur deux choses. C'est pour ça que je vous dis, donnez-moi bien votre attention. Le haoul pour l'argent trésoré, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épargne. J'ai un compte où il y a l'épargne, je mets l'argent. Dès que cet argent atteint le seuil, je note la date où ils ont atteint le seuil. Et c'est quoi le seuil? Mawan Nisab. Un Nisab, c'est 85 grammes d'or.
Ça veut dire 85 grammes d'or tout à l'heure après le khutbah, c'est pas tout de suite parce qu'il ne peut pas être occupé par son téléphone. Hein? Tout à l'heure, vous pouvez rentrer chez vous et vous allez rentrer sur la bourse. Ça coûte combien un gramme d'or aujourd'hui? Fois 85, c'est ça le seuil. Si tu as ce seuil, tu donnes zakat de ce que tu as trésoré. Ça, c'est l'argent trésoré. Mais l'argent qu'on gagne chaque mois, ou chaque jour, ou chaque semaine, ça, c'est autre chose. Dans les cas de l'ulama, la meilleure solution, c'est que la personne, que tu m'as bien les salariés, les entrepreneurs, la personne, quand il commence à travailler, le premier salaire qu'il va recevoir, il va noter cette date. Le premier salaire, les jeunes salariés qu'on va recevoir, ils notent cette date. Mais il va noter cette date au mois lunaire. Supposons qu'il a reçu son premier salaire le 5 septembre, il va voir le 5 septembre, c'est équivalent à quoi? De l'année légère, mois lunaire. Parce que les zakats, ça se calcule avec les mois lunaires. Vous voyez? Quand l'année fait son tour, il a reçu 12 salaires. Il va regarder qu'est-ce qui lui reste dans son compte. C'est pas seulement dans son compte, et tout le compte lié à ce compte. Parce qu'il va faire un autre compte d'épargne. Mais la source, c'est toujours son salaire. Il va envoyer un compte au bled ou je ne sais pas où. Cet argent-là, c'est son patrimoine. Ça veut dire, quand l'anniversaire de son activité est arrivé, la date, il va calculer tout ce qu'il a comme patrimoine. Il va enlever les charges d'aujourd'hui. Parce que les charges, ça s'enlève au fur et à mesure. Il paye le loyer, l'électricité, le gaz, tout. Il a payé ses impôts, les charges des enfants. Tout ça, ça se lève au fur et à mesure. À la fin de l'année, il va voir qu'est-ce que lui reste dans tout ce qu'il possède. Les primes, tout ce qu'il reçoit, les aides, tout ça. C'est lui qui le gère. Le compte de monsieur tout seul, le compte de madame, c'est le travail tout seul. Chacun est responsable de ses biens. S'il y a un compte monsieur et madame, à ce moment-là, est-ce que madame cotise aussi et le monsieur cotise aussi 50-50? À ce moment-là, hein, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, s'il me reste le seuil, ça veut dire quand le 5 septembre, qui est équivalent à je ne sais pas quoi, comme le mois lunaire, arrive, tout simplement, je ne vais pas chercher l'imam. Je vais aller sur Internet, je vais regarder. Aujourd'hui, ça coûte combien un gramme d'or? Ça coûte 3 euros, 4 euros, 5 euros, j'en sais rien, fois 85. C'est le seuil. Ça peut être 4000 lesquels. Actuellement, le Nessab, il est à 4465. J'ai ça, j'enlève tout de suite 2,5. La même chose pour le revenu, pour le médecin. Le médecin, il a revenu sur ce cabinet, la première consultation. Il note cette date. L'anniversaire de cette date, il va regarder qu'est-ce qu'il a dans son compte. S'il a dans son compte la somme, le coût de 85 grammes d'or, il en est bien évidemment les charges, à savoir les impôts, et bien, ainsi de suite. J'ai dit les impôts parce qu'il faut payer les impôts. Il ne faut pas tricher pour payer les impôts, entre parenthèses, ça c'est un autre sujet. Il faut payer ses impôts parce qu'on est dans ce pays-là. Nos droits et sont garantis, il faut aussi qu'on garantisse nos devoirs. Quand l'un de nous a un droit, il va le chercher, il va le défendre. Alors quand l'un de nous a un devoir, il doit être responsable de le faire. Il faut qu'on soit une communauté qui reçoit et donne. Et plus une communauté qui donne plus qu'il reçoit. Il ne faut pas qu'on soit une communauté qui reçoit seulement et triche quand il va donner. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'eux, hein? Alladina yabhasuna al-mikyal. C'est ça. Alladina yabhasuna al-mikyal, c'est celui qui cherche toujours à recevoir plus, mais quand il va donner, il cherche des fuites. Non, Ahbab al-Karam. Respecter les choses. On doit traiter les autres comme on veut que les autres nous traitent. Comme on demande nos droits, on doit aussi appliquer nos devoirs. Alors tout simplement, c'est comme ça qu'on doit donner zakat. Tranquillement, sans problème. Le moment où le salaire est arrêté, ainsi de suite, on n'a plus de revenus, ainsi de suite, on n'a plus de seuil, il n'y a pas de souci. J'ai plus de seuil. Je donne zakat. Mais maintenant,
À qui donner zakat? Cette zakat 2,5. Je dois la donner à qui? Elle accepte mes parents et mes enfants. Et mon épouse, bien évidemment. Oui. À part les trois, je commence avec les premiers, mes proches. Mes frères et sœurs, ils sont dans le besoin. Mes oncles et mes tantes, ils sont dans le besoin. Mes cousins et mes cousines paternelles, matérielles, ils sont dans le besoin. Mes voisins, ils sont dans le besoin. Avant de chercher qui que ce soit, d'abord les proches. Oui, mon frère, ma sœur, mon oncle, ma tante, s'il est dans le besoin, il est dans les huit catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala a citées dans le verset Tauba, le verset 66 de Tauba. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis-sabili faridatan min Allah. Alors les pauvres, les nécessiteux, ceux qui sont endettés, le passager, et ainsi de suite, l'étudiant qui apprend le savoir, et ainsi de suite. Alors, il faut vraiment qu'on sache qu'on a une responsabilité auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'a pas donné le zakat des années passées, il lui donne l'obligation d'estimer les années passées. Par ignorance, par je ne sais pas quoi, il ne savait pas où, il a négligé, quoi que ce soit, ça reste une dette à payer devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Supposons qu'on a travaillé des années, je ne savais pas que je dois donner zakat. Ou dois-je jeter, excusez-moi, de terme, j'étais à l'ouest, je ne savais pas, je ne primais pas. Il n'y a pas de souci. Quand tu reviens, alors, hein, les devoirs, ils sont toujours les devoirs. Si tu veux, devant Dieu subhanahu wa ta'ala, que tu seras, hein, comment dirais-je, tes comptes, ils seront tranquilles. إذن هكذا يحب الأكارم نبغي أن ننظر إلى هذا الموضوع بجد باسكو سي لي بيان كو الله nous a octroyé on va rendre les comptes à Allah subhanahu wa ta'ala et on doit c'est pour ça يقول العلماء اختم بها la première chose qu'on prélève avant quoi que ce soit dans les biens d'un défunt ou d'une défunte quand une personne est morte la première chose qu'on doit prélever c'est zakat s'il n'avait pas payé son zakat. Parce que le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, as'alu alayhi al-qadir, anufiqana wiyakuma fikhir, nulhimna rachad usad, ujana min ibad al-salihin al-musulhin, lama gfir dhunubana, ustur'i yubana, wahdi qulubana, wa tawalla umurana, ujma' shatatana, wa alif ala haqi qulubana, wa la ja'li minna, wa la ma'ana, wa la min ibanina shakiyya, wa la mahrouma, lama fiqna lima tuhibu wa tarda, ujnibna ma tukra wa ta'ba, lama tunufusana taqwaha, uzakiya anta khiru man zakaha, anta waliyuha wa mawlaha, lama ahfadna fi hadhihi al-bilad fi dinina, wa amwalina, wa ahmalina, wa akhuwatina, wa masajidina, wa ulama'ina, wa kulli ni'matin amta biha alina, ujana min عبادك الصالحين المصلحين إنك نعم الملا ونعمل نصير. Je rappelle le rendez-vous pour demain, pour dimanche plutôt, parce que là, comme pour dimanche, il y a une exposition sur le Coran. Il y aura Cheikh Moussef Zinati qui va, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, animer entre 11h30 jusqu'à Dohor. Et après Dohor, il y a la journée du patrimoine. La mosquée sera ouverte, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à l'Asr. Et après l'Asr, il y a l'intervention de notre Cheikh Moussef Zinati. Inch'Allah, l'association vous appelle. À bien profiter de cet événement. Barakallahu fikum wa salam alaykum wa alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.